Ok. Ouais, y a rien de plus là-bas. Ouais, c'est pour avoir le protectron. Mais le problème, c'est que si t'as pas de jeton de métro ou de quoi, il va t'attaquer. Et si tu lui mets pas le truc de base, je suis pas vraiment confiant. Et là-bas, y a quoi? C'est de là d'où je viens? Absolument pas. Commence à en avoir marre de ces radiations. What? Oula, regardez mon taux de radiation. Je suis en train de chatouiller le... la mort, quoi, en fait, tout bêtement. Ouf. Nous sommes sauvés, Caligou, putain. Ah oui, alors là, j'étais en train de chatouiller la mort de très près. Oh, bah voilà. Grâce à la clé, j'ai ouvert cette porte. Et là-bas, il y a quoi? Je vais tomber sur la goule alpha. Qu'est-ce qu'on peut bouffer? Qu'est-ce que j'ai à manger sur moi? Chewing-gum. Des chips, de la courge, allez, du chrome. Pillard, cartouche. Plastron, fermeté, ombrage, non. Que de la merde. Je suis sûr qu'il y a encore des ghouls par ici, Kenigou. Oh putain, on peut encore aller par là. Mais c'est l'enfer cet endroit. Ça c'est le genre de donjon, tu vois, je suis pas ultra fan. Dans le sens où on t'y envoie pour une quête. La quête, tu... Oh, je vais prendre la blouse. La quête, tu l'as finie en... Tu sais, dès le début du donjon et après, bah, c'est à toi d'explorer ou pas. Je suis sûr que la plupart des gens s'en foutent en fait. Finissent la quête et ils se barrent. Morceau de journal. Je sais pas pourquoi je le prends, mais je le prends. Ah, et là on est revenu ici, d'accord. Ah bah c'est cool finalement. Pas très lent. Y'avait rien là-dedans. Enjoliveur, je prends. Utilité. Du coup c'est pas parce que c'est l'apocalypse que j'ai pas le droit de mettre mes enjoliveurs. Hein. Une huche à pain. Bien. Allez, cassos. On se tire, on se tire. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais la session d'aujourd'hui devrait être plus courte que les autres. Et cette fois-ci, c'est vrai, hein, parce que je commence à en avoir un peu ras le cul de bouffer à 14h. non, mais les sessions de 3h, c'est très très long. Et vu que là, bon, je bosse plus, je vais essayer dans la semaine d'enregistrer une petite session d'une heure et demie, 2h. Ce qui devrait être pas mal. Parce que 3 heures, c'est bien, mais manger à 14 heures, ça l'est moins. Voilà, moi je crève de faim après. Mais bon, on voit tellement pas le temps passer dans ce jeu. Ça, c'est un fait véridique. Bon, et l'autre mission qu'elle m'a donnée, l'autre. Alors lui, bon, allez voir, oui, bon, ça d'accord. Récupérer l'artefact à Trinity Plaza. Je pense que là, par contre, ça va être beaucoup plus compliqué. Là honnêtement je pense que ça va être plus compliqué. Putain ouais. C'est exactement comme il disait. T'as les ghouls, les mutants, les créatures voilà, diverses et variées de la nature. T'as les synthétiques. Y'a tout le monde qui veut te buter en fait hein. C'est vrai que c'est pas un lieu de vacances que je choisirais, tu vois.
Le Commonwealth. Enfin. D'être synthétique. Ouais. Avoir un synthétique en termes de potes, ça doit être marrant quand même, hein. Tu sais, un petit robot et tout. Ça change des robots classiques de Fallout, mais je pense pas qu'on puisse vraiment avoir un synthétique en guise de pote comme ça. Allons voir. Non, Trinity Church. Ils veulent que je rentre là-dedans pour la quête? Bon, si tu veux. Bah, je vais aller à Trinity Plaza, ils m'ont envoyé dans l'église. Marmol? Depuis quand il y a des super mutants ici? Tu le sais, toi, qu'il y avait des super mutants? Tu le savais? Ouais, tu ne le savais pas. Oh putain, j'ai que 6 balles par chargeur. Ça pue par contre. Non mais, n'aie pas peur des super mutants, ils vont juste dévorer ta chair, arracher tes membres, et puis après, tu vois, tu vas finir dans un sac. Et dans des caddies. Alors, est-ce qu'ils trouvent toujours leurs caddies? À chaque donjon de super mutants, t'as des caddies, tu sais. Oh, je suis en train de faire caca. Petite sauvegarde rapide qui fait du bien. Il faudrait que je les tue les uns après les autres, mais bon. Pourquoi mon instinct primaire me dit « Oh, de toute façon, ça va finir comme d'habitude, ils vont tous te sauter à la gorge et tu vas devoir tous les tuer rapidement. » Je sais pas, c'est ça. Je le vois bien comme ça. Putain, le trou! Regarde, c'est pas écrit carré. Hein. Super mutant. Exécuteur. Et il y a un molosse. Non, le mieux ce serait plutôt d'attaquer le. Ce mec-là. Attends, c'est lequel là l'ultra badass? J'y comprends que dalle. Bon allez. Shoot! Il y en a un qui a plus de vie déjà, ça c'est bon signe. What? D'où tu arrives? Canigou, ton adversaire, allez! 10 fois plus haut que toi. Je te donne un coup de main. Je sais pas comment tu peux faire pour récupérer de la viande sur ça, mais écoute. J'ai encore pas attaqué la bonne cible, hein, moi. Une idée, Canigou, il nous faut une idée, là. Un plan, il faut quelque chose. Ouais, au pire, on peut attendre, hein, comme des abrutis, on se remet en cachet, on lui retire dessus. Hein. Qu'est-ce que t'en dis, Canigou? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oh, est-ce que c'est triché? Bon écoute, parle. Il est pas assez intelligent pour venir jusque là, moi je m'en fous. Hein. Je te sers un verre? Je te sers un verre mon Canigo, t'as peut-être soif depuis tout ce temps. Allez, sors de ton trou. Ah, t'as qu'à venir? Bah, je suis super mutant, je suis super con. Il reste là-bas, s'il te plaît. Ah, j'en avais pas eu des aussi cons depuis un moment, tiens. Alors on est presque caché là. Perte de temps. Ben, perte de temps, il a tué mon pote et mon chien, mais c'est pas grave.
c'est lui qui m'a fait chier. Non. Bah, celui qui me faisait chier, il avait une Gatling. Bah écoute, il n'y a plus que lui, alors de toute façon, je pense que ça peut être que ça. Oh bah tiens. Il sait pas où je suis. Kanigou, nous sommes sournois. Ah, on est sournois. Qu'en penses-tu? Oh, tu fais chier, Kanigou. On devrait te donner la parole. Alors, off, il parle énormément, mais alors là, il parle jamais. Ouais, moi aussi, c'est un gros zizi. Allez. Regarde, tu le veux mon cadeau? Viens! Il sait pas où je suis, putain, c'est le... ça c'est l'éclate. Mais bon, à ce rythme-là, j'en ai pour 2 heures, hein. Je lui enlève aucune vie. C'est la merde, putain. Putain, ils ont bien amélioré ce truc, hein. Avant, ça faisait un vieux tas de poussière, c'était moche, dégueulasse. Là, c'est vraiment beau, hein. Et dire que c'était un chien comme toi avant, tu te rends compte? Et maintenant, poussière. Je voulais me battre, je suis super mutant, je suis super con. Ah, je suis désolé, ça prend du temps, hein. Ça prend un peu de temps, mais une Gatling, rendez-vous compte qu'en l'espace de 3 secondes, il peut me tuer, quoi. Je reste toujours au même endroit, moi je suis super mutant. Est-ce que j'ai quelque chose de mieux à distance? Pff, non. Je sais qu'ils aiment pas trop les lasers. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression qu'ils aimaient pas trop les lasers. Là, il m'a vu par contre, là ça va être la merde. Mais je peux le finir. Je tire dans les murs. Oh. Je vais l'avoir celui-là. Putain, mais la vie! Sans déconner! Tout à l'heure, je faisais max de dégâts, là maintenant c'est parti, c'est fini. Waouh! Ah oui, c'est pas qu'il pouvait pas. Mais attends, le chien il est quand même bienvenu d'un endroit. Bizarre. On passe par là sûrement. Le chien il est bienvenu d'un endroit, alors par où est-ce qu'il est passé? Ah, des râteaux. On se faisait un petit festin, les gars. C'était votre dernier. Exécuteur. Bah si je prends le minigun, le problème c'est que je pourrais plus rien porter. Donc je le prends. Oh, bah si, en fait, ça va. Bah ça va, je le vis bien. Bon. Ça c'est de la marmite. Laisse-moi te dire que ça c'est de la grosse marmite. Pour faire mettre des humains dedans. Lecteur tactile. C'est quoi ce machin? Lecteur tactile, on sait pas à quoi ça sert, mais voilà, c'est là. Droit issu de la technologie Portal. Cartouche, Radaway, tiers d'élite, calibrage et puissance, drapeau américain, jambière droite en métal. Prendre ça. Histoire et à dormir. Voilà. 5% de dégâts supplémentaires au super mutant. Oh putain, bien sûr que je prends. Psycho. Ouais. Eh ben bien pratique tout ça. Oh, c'est quoi ça? Cartou. Oh putain, partie supérieure du crâne, c'est des humains. C'est absolument immonde.
Il monte, je vous le dis. Comment t'es arrivé là, toi? Ah, y'a des trucs là. C'est chaud à visiter puisqu'il y a des trous partout. Ouais. Ouais. Fusil de combat. On prend. Cartouche. Ça, c'est dur à visiter cet endroit. Ok, là y'a rien. Même pas tes dernières volontés. Ouais. C'est fini, il n'y a plus rien. Et là, il y avait rien. Non, c'est de là d'où j'étais allé. Mais j'étais pas allé ici. Une échelle. Bon. Ah. De la colle. Et un scalpel. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça peut être pratique. Si je saute de là, je meurs, hein, on est d'accord. Allez, Kanigou. Je crois pas qu'il y ait autre chose à faire dans ce petit donjon. À moins de descendre tout en bas, mais... Est-ce qu'il y a réellement quelque chose à faire ? Oreiller confortable. Ah putain, vas-y, je prends quoi. Manuel brûlé. Un échiquier. Va falloir qu'on m'explique le principe de prendre des ossements humains quand même. Livre en retard. Boîte d'épingle à cheveux, je prends. Je prends. Exit. Attends avant d'aller au exit. Qu'est-ce qu'on a ici? Du vin! Puis peu de vin, écoute. D'ailleurs, j'ai essayé de me bourrer la gueule sur une autre sauvegarde. Et en fait, ça marche pas. Il se passe rien en fait. Vous buvez, vous développez une dépendance à l'alcool. Et c'est tout. Ça s'arrête là. Back pay. Donc croyez-moi que ma déception était assez grande en fait. Donc le seul truc qui m'a fait rire finalement, c'est quand j'avais pris une drogue, je sais plus ce que c'était, et le mec, ah ouais, il était complètement malade. Temps de chargement. Ta-da-da-da. Le temps de chargement le plus long du monde. Je sais pas ce que c'est en train de charger, mais putain. Oh. Moi, je veux juste me barrer. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est en train de charger, là? Ah. Oh. Beaucoup marché. Strong veut plus de combats. Ah, Strong, c'est cool. Grand que Strong pensait. J'ose pas t'amener avec moi pour l'instant. J'ai peur que les gens... Bah, aient peur, quoi. Donc. Je dois être assez... Ouais, 302 sur 315. On va aller déposer le matos. Puis au pire, on peut aller se diriger par là pour aller faire les quêtes de... Ouais, hein, de toute façon, c'est pas bien loin de tout ça. Allez. On ira déposer les autres quêtes plus tard. Hein. On n'est pas à ça après. Sanctuary! Alors je sais que vous m'avez conseillé d'aller ailleurs que Sanctuary, hein, peut-être de déposer un peu ailleurs. Mais j'aime bien mon petit Sanctuary, on est bien là-bas, c'est cool. Puis c'est là où j'ai déposé tellement de matériel que bon... C'est... Non, j'aime bien mon petit Sanctuary. À la base, je voulais vraiment faire un truc bien aménagé et tout, mais pff, je trouve ça à chier le... La construction des maisons et tout, pff, c'est chiant, c'est pas...
C'est très compliqué. Hein, c'est vraiment la merde de faire sa baraque. Allez, transfert. Mon bric-à-brac. Voilà, ensuite. Fusil de combat. Peut-être le garder, le fusil de combat, je sais pas. Grenade à impulsion. Ouais. Mine à capsule, mine à impulsion. Le minigun qui pèse sa mère. Hein. Merde, j'ai déposé une arme que j'aime bien. Oups. Merde. Oh, c'est chiant quand ça fait ça. Bon, arme. Il faut que je retrouve mon arme. Bah, c'est un pistolet, mais. Il doit pas être bien loin. C'est quoi ce truc? Clé de sertu. Putain, j'ai déposé mon vieux pistolet là que j'adorais. Un truc qui ressemblait à ça. Oh putain, bon courage pour le retrouver. Aïe aïe aïe. Oh, ça doit être celui-là. 31 dégâts. Je pense pas avoir tout fait mieux. Alors attends, on va continuer le transfert parce que j'ai pas terminé moi de base. Fusil de combat, il pèse combien? 14, on verra plus tard. Gain et puissance, ça c'est quoi? On s'en fout. La blouse Voltec, cagoule avec lanière. Le costume noir propre, je le garde, le feutre aussi. Les lunettes également. Parce que j'ai la classe avec ça. Mes soins. Allez, je suis à 219. Hop. C'est très bien. Maintenant, on va enfin aider Preston Garvey. Hop. Donc c'est par là-bas. Retrouver les miliciens près du château. On va stepper à la Trinity Tower, c'est ce qu'il y a de plus proche.